Alors que le nouveau variant du Covid-19 appelé Omicron frappe de plein fouet le monde entier, et particulièrement le Royaume-Uni, les fêtes de fin d'année ne se dérouleront pas tout à fait comme prévu. Et ce sera d'autant plus le cas pour la famille royale britannique. Kate Middleton et le prince William ont annoncé avoir annulé tous les projets pour Noël afin de pouvoir passer du temps avec la reine Elizabeth II. Il faut dire que lors de la seule journée de ce jeudi 16 décembre, les infections par le nouveau variant Omicron ont atteint un sommet avec 88 376 nouveaux cas signalés en Grande-Bretagne, soit une augmentation de plus de 12% par rapport aux chiffres de la veille. CST ainsi que Chris Whitty, l'ancien conseiller scientifique en chef du gouvernement, a exhorté à ses citoyens de ne se contenter seulement des interactions sociales qui sont impossibles à éviter, sous peine d'attraper le Covid-19. Et ces conseils ont été entendus par les membres de la famille royale. Kate, William, Charles, Camilla, Anne, Edward et Sophie ont tous décidé d'annuler leur projet de fête de fin d'année pour pouvoir être avec la reine le jour de Noël. La famille royale séparée pour les fêtes de fin d'année? Cette décision fait suite à celle d'Elizabeth II, qui a annulé son déjeuner familial annuel de pré-Noël en raison de la propagation du nouveau variant. Ce choix de supprimer le traditionnel repas qui peut réunir jusqu'à 50 personnes au château de Windsor a été pris dans le but qu'une grande fête puisse tout de même avoir lieu à Sandringham, mais sans prendre plus de risques que nécessaire. Pour ce dernier point, rien n'est encore décidé. CST ainsi que Dicky Arbiter, l'ancien attaché de presse de la reine, a déclaré, le déjeuner est très important pour la reine car CST le seul moment de l'année où toute la famille élargie se réunit. Ayant annulé ce déjeuner, je serais très surpris qu'elle se déplace et emmène sa famille à Sandringham. Windsor est une bulle de sécurité depuis le début de la pandémie.